Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de J3D Modding. Aujourd'hui, je vous propose de vivre le rallye du Var dans la 306 Maxi de Sébastien Loeb qui a été utilisé pour ce rallye du Var 2017. On va essayer de faire aussi bien que lui sur cette spéciale du col de Canadelle. Alors pour mémoire, je crois que Sébastien a fait 5.36 si ma mémoire est bonne. Donc on va essayer de s'approcher de ce temps. C'est pas gagné parce que Seb a un meilleur coup de volant que moi, je pense. Non, c'est sûr. On va donc prendre place à bord de cette 306. Le modèle 3D, c'est une voiture qui a été téléchargée sur Internet. Je ne connais pas son origine, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai simplement skinné la voiture aux couleurs et au logo de Sébastien Loeb, Sébastien Loeb Racing. Allez, c'est parti, on prend la place du pilote. Voilà, je m'installe correctement sur mon fauteuil. On a Daniel et Léna qui est avec nous. Je vais le démarrer. Alors, il y a une petite voix féminine, mais bon. 10 secondes. On va s'en contenter. Hein. 5 secondes. Allez, c'est parti. 5, 36. Je suis en boîte manuelle avec embrayage. Attention, mais gauche 6 et droite 3. Et je rate la vitesse. Ça commence bien. Dans gauche 2. Premier petit enchaînement. 300. Volant de cette 306 Maxi 3, qui fait à peu près 308 chevaux de mémoire. 1. Dans gauche 4 et droite 2, très long refaire. Premier gros frein. Frein. Là, j'arrive sur 2. Une épingle. J'ai pas osé tirer le frein dans à main. Dans droite 2 plus. Dans gauche 3, long, ouvre et referme. Donc cette spéciale du col de Canadelle de 7 km 500 dans gauche est vraiment, vraiment très technique. Vous voyez, c'est que des dans enchaînements de virages. Dans gauche 3. Difficile de prendre la vitesse. Dans droite 5. Et en même temps, vaut mieux pas quitter la route. Dans gauche 5, pour droite 2. Frein. Dans gauche épingle plus. Dans droite 5. Pour gauche 4, 50, droite 2. Il n'y a que ça, frein. Que ça, des enchaînements. Dans gauche 3. Vraiment chaud. Dans droite 4 moins, dans gauche 2, long, referme. Dans droite 4. Jolie épingle. Dans gauche 4 moins, dans droite 4. Pour gauche 5 moins, haut, dans droite 3, long, referme. Ça va que j'ai la puissance avec 3, cette 306. Et assez de reprises. Dans droite 3. Et gauche 4 moins. Pour l'instant, je tire sur la 2 à fond. Dans droite 4. Dans gauche 3. À fond, 200. À fond, j'aimerais bien, mais... Attention, droite 5 moins. Dans gauche 3. Allez, une petite pointe. Frein. 40, gros virage. Droite 2. Dans gauche 3 plus. Dans droite 4. Dans gauche 5. 60. Attention, gauche C. Dans droite 3 plus. On va bientôt arriver au col. Frein. Dans gauche 3. Dans c'est vraiment droite une spéciale 2. Que je trouve dans gauche 2, très très dure. J'ai réussi à faire un temps correct avec une Skoda R5. Dans droite 4. Et me rapprocher de... du temps réel. Dans gauche 4 moins. Dans droite 4. 40. Droite épingle. Mais là, avec la 306, ça va être un peu la surprise. Dans gauche 4. Oh, bah, elle ne veut pas tirer le frein, là. Dans droite 5. Dans gauche 5. 70. Droite 4. Ah, elle avait aimé se tirer un peu, là, dans les... Gauche 3 plus. Se traîne un petit peu là dans et cette montée. Très long, referme épingle. Allez, après ça va faire que descendre. Dans gauche 3 plus. Dans droite 3. Dans gauche 3. Pour droite 3. Dans on gauche 4. Au col.
Attention, dans le droite 5, long, ouvre et referme pour gauche. Superbe vue sur le golf. 110. Allez, pour le spectacle, je tire le frein. Droite 5, plus. On essaiera de se regarder le replay. Dans gauche 5. Après la course. Pour droite 4 moins. Frein, dans gauche 4. 110. Donc là, on est passé de l'autre côté du versant. Pour gauche 4, très long. Mais dans le réel, cette spéciale est prise dans les deux sens. 120. Gauche 5 moins. Frein. Pour droite 3 plus. Et je rate ma vitesse. Dans gauche 5, très long, referme 3. Vous voyez, même là, c'est très sinueux. Dans droite 3. Dans gauche 4. Dans droite 4 moins. Dans gauche 2, long, referme. On arrive sur la deuxième boucle. Pour droite 4. Dans j'ose pas tirer 5, le frein à main, j'ai peur de faire un tête à queue. Gauche 5. Pour droite 4. Je me suis un peu entraîné avant. Et... Dans gauche 5, pour droite 3 moins. Quand j'en vois pas la voiture dehors, je fais des têtes à queue. Dans gauche 3. Un petit piège, c'est chaud. Dans droite 2 plus. Dans gauche 4. Vous voyez la 50, vue qu'on a là. Droite épingle, très long, referme. Frein. Dans gauche 3. Yep là. Waouh. Pour droite 2. Dans gauche 3, très long, ouvre et referme. Ah ouais, au casque, on a vraiment une autre vision. Dans droite 2. Dans gauche 2. J'avais vraiment l'impression de plonger là. Pour droite 3. Pour gauche 3 moins. Ça s'enchaîne. Dans droite 3. Mais vraiment. Et arrivé. C'est très 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 chaud. Yes. Hop là, te plante pas jusqu'à la fin. Alors combien on a fait? 5,46. Bah, c'est 10 secondes de plus que Sébastien. Mais c'est pas trop mal. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé avec ces 306. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Sachez que je posterai prochainement d'autres vidéos avec de nouveaux pilotes, de nouvelles voitures sur cette spéciale pour essayer de se rapprocher de leurs temps respectifs. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao ciao !